Et Shepard, né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Il a vu toute son unité mourir sous ses yeux à Akuzé. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est un survivant. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personne? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur, ok, navigation, ok, puits thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal, votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment, donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil? Seulement quand il te parle, Joker. Si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se re... Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? Je vais lui faire mon rapport, oui. Avec tout le respect que je vous dois, chef, il va peut-être finir par vous dire ce qu'on fout vraiment ici. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. J'y
J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nihlus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. À ce qu'on dit, c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité. Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je peux espérer un briefing, capitaine? Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Quel est le colis, capitaine? Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Vous avez autre chose à me dire? Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Il faut s'attendre à des ennuis? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nihlus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Que se passe-t-il, capitaine? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux spectres. Nous sommes un groupe d'élite, et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Dites-moi ce que je dois faire. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nihlus vous accompagnera en tant qu'observateur. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu.
Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nélus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nélus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. À vos ordres, chef. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Bêta. Périmètre du vaisseau...